Anna est rétesse d'adoption. Après plusieurs années passées sur les îles aux quatre coins du globe, c'est sur celle de Ré qu'elle s'est arrêtée pour lancer sa marque de maillot de bain. J'ai voulu faire une marque éco-responsable qui reflète l'île de Ré avec des motifs fleuris, avec les roses trémières. En plus du nom de la marque, l'île de Ré est fièrement écrite sur le maillot. Une identité rétaise, affirmée par la créatrice, qui permet aussi d'attirer une certaine clientèle. Et je pense que c'est ce qui fait voyager aussi les gens. Et quand ils rentrent chez eux, par exemple à Paris ou à Toulouse ou à Bordeaux, ils sont contents d'avoir marqué île de Ré. Des entreprises qui utilisent un nom pour leur stratégie marketing, ce n'est pas une nouveauté sur Ré. L'image de l'île séduit et fait vendre. Dans cette boutique de cosmétiques, on surfe aussi sur la tendance. Des notes rétaises se retrouvent sur le packaging des produits et dans leur composition. On a formulé une huile gommante à la fleur de sel de l'île de Ré, qui est notre produit emblématique, puisque BioCelline existe déjà depuis plusieurs années, puisqu'elle avait été développée par un saunier. Récemment, les créateurs ont décidé de se séparer de l'inscription île de Ré dans le nom de leur marque. Cette estampille locale semble avoir quelques inconvénients. On trouvait que c'était un peu trop réducteur parce que, en fait, autant on revendique à 100% notre ancrage local, la preuve étant qu'on est ici, qu'on formule ici, on essaye de tout faire localement, mais on a des vocations à exporter cette gamme. Et du coup, on s'est dit, est-ce que demain, ça ne sera pas un frein ? L'île de Ré, certaines marques s'en servent pour se faire un nom, puis parfois s'en passent, sans pour autant l'oublier, pour exporter leurs produits en France et à l'étranger.